Principe numéro 2. Des objectifs précis dès le départ. Celui qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre. Sun Tzu. Tous les principes sont importants, mais celui-ci l'est particulièrement. Partons d'un exemple de la vie de tous les jours. Avant de prendre la route, lorsque vous montez dans votre voiture, vous connaissez d'avance votre destination. Sinon, vous l'entrez dans le GPS. À moins que vous n'ayez décidé consciemment que vous partez pour une balade, vous n'allez pas prendre votre véhicule, rouler sans but et cramer l'essence pour tomber en rade je ne sais où parce que vous n'aviez pas défini de destination. Présenté sous cet angle, cela semble absurde, mais c'est malheureusement l'erreur dont sont victimes énormément d'artistes, dont moi-même, pendant longtemps. J'espère donc vous avoir sensibilisé sur l'importance de ce principe. Nous allons éviter cela en nous fixant des objectifs clairs. Le but est de partir d'un point A pour atteindre un point B. On va définir le point B pour emprunter la route la plus rapide, économique et sûre. Nous devons également contrôler l'état de nos ressources de départ. Il est important de déjà visualiser les résultats que l'on veut atteindre. Ensuite, on trouvera le chemin. Exemple. Quelques exemples d'objectifs clairs. Je souhaite sortir un projet rap. Je souhaite le mettre en vente sur iTunes et sur mon site à 5 euros. Ce projet-là devra contenir 4 titres. Les thèmes de ces titres devront être l'inégalité et la diversité. Je souhaite atteindre l'objectif de 1000 fans sur ma page Facebook. Je souhaite également poster 2 clips sur ma chaîne YouTube. Je souhaite également qu'un de ces clips puisse passer à la télé. Je souhaite également réaliser 5 passages radio et 2 shows. Voici à présent une liste d'objectifs flous et non désirés. Je souhaite sortir des sons plus lourds que l'artiste X. Je souhaite sortir une mixtape ou un EP. On verra plus tard, pour l'instant, il faut que je trouve l'inspiration. Je souhaite réaliser des clips, mais des clips pas comme tout le monde. Je fais du son pour tout le monde. Tout le monde va kiffer ma musique. Au fait, t'as entendu X sur Skyrock ? Ah, ils ne peuvent pas ne pas me jouer aussi. Je viens de vous présenter une liste d'objectifs totalement flous et non désirés qu'aucun self-made artiste qui se respecte ne se fixerait. Passons au quiz. À qui est-ce que je m'adresse dans ce projet ? Qui sont mes fans potentiels ? Mon projet sera-t-il en vente ou en téléchargement libre ? Ou alors est-ce que je le fais uniquement pour moi ? Vais-je en faire la promo ? Où, comment et à quel niveau ? Combien de personnes est-ce que je veux toucher avec mon projet ?